Depuis le 11 décembre dernier, le cimetière de Lorient à Saint-Barth est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans de Johnny Hallyday. Si pendant plusieurs semaines, ce sont les proches et plus particulièrement Laetitia qui venaient se recueillir, c'est désormais au tour du grand public de venir pleurer l'artiste. L'épouse du rocker étant repartie à Los Angeles, les attroupements autour de sa sépulture se multiplient au point d'agacer les voisins, comme l'explique le site belge Sud Info. À un groupe du sud de la France et un autre de Belge, un responsable sur place a fait comprendre qu'il était vivement recommandé d'arriver autour de la tombe de Johnny par petits groupes de 5 touristes à la fois, explique Sud Info. Une demande que devraient prendre en compte les organisateurs de voyage, car il s'agit bien d'un cimetière et non d'une salle de concert. L'arrivée de grands groupes gênerait les habitants alentour, ainsi que les personnes ayant des proches enterrés dans le même cimetière, précise Sud Info, qui rappelle que les forces de l'ordre surveillent toujours le lieu où repose Johnny Hallyday.